une belle façon d'utiliser les fractions. Regarde bien, si je mets 27 litres d'essence, le réservoir de ma voiture est plein aux 3/5. Question, quelle est la capacité totale du réservoir? Comment faire ça? Revenir à la définition, ça veut dire quoi 3/5? 3/5, c'est que je partage en 5 parts et que j'en prends 3. Qu'est-ce qu'on partage? Eh bien, tout le réservoir. Donc voilà, tout mon réservoir partagé en 5 parts égales. Et on me dit quoi? 3 de ces parts, parce que c'est ça, 3/5. Sur 5, j'en prends 3. Donc 3 de ces parts, ça représente 27 litres. Et mais attends, si 3 parts, c'est 27 litres, c'est combien une part? Parce que c'est toujours ça avec les fractions. Revenir à l'unité, 3 parts, 27 litres, donc une part. Et bah 9, parce que 3 fois 9, 27. Et c'est que des parts de 9 litres. Bah oui, c'est le principe, ce sont des parts égales. Donc combien vaut tout mon réservoir? C'est un jeu d'enfant maintenant. Donc ça, c'est tout mon réservoir, regarde. 5 parts de 9, autrement dit, 5 fois 9, soit 45 litres pour tout mon réservoir.